Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. Je voulais m'excuser tout d'abord pour la luminosité pourrie, mais il est 5h. Donc voilà, il fait nuit et j'ai toujours pas d'éclairage assez potable. Voilà. Donc, première vidéo depuis que je suis rentrée de la maternité. Donc là, nous sommes jeudi 24 novembre. Voilà. Donc j'ai accouché mercredi dernier. Donc si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo un peu spéciale, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez, je vous raconte un peu comment s'est passé l'accouchement. Nanana. Mais bon, en deux mots, perfection. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu, bah, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un colis aujourd'hui et je voulais l'ouvrir. Je me doute de ce que c'est, mais si jamais ça peut vous intéresser, si ça jamais ça va pas, pourquoi pas partager. Donc je vais couper ça au montage, mais je vais pour vous éviter les bruits de coque-paquet et autres. Donc je vais ouvrir ça et je vous montre tout de suite ce que c'est. Et pour les liens, tout ça, ça se passera sur ma page Facebook. Voilà. Lien aussi en barre d'infos. Donc il y a 1, 2, 3, 4 produits dans ce petit paquet. Donc vous voyez, c'est emballé dans une enveloppe papier bulle et le plus gros de la commande est encore dans du papier bulle. Donc c'est un colis. Enfin, c'est une commande que j'ai passée. Je regarde pour pas dire de bêtises. Le 21 octobre. Donc voilà. Ça a été un petit peu long. Mais bon, c'est ça commence à être la fin d'année. Donc je comprends que ça sera un petit peu plus long que d'habitude. Donc je sais pas par quoi je vais commencer. Peut-être par celui-ci. Donc je me suis commandé un. Vous allez, voilà, les couleurs vont être terribles. Il va falloir que je vous refasse une vidéo peut-être demain que je collerai à celle-ci, peut-être avec les swatchs en pleine lumière s'il veut bien faire beau demain. Donc j'essaierai de vous faire ça, une vidéo swatch de tout. Donc j'ai commandé le NYX Lingerie. Donc là c'est le Lipli 02. Donc si jamais vous entendez des cris de bébé ou autre, hein, c'est que Bibou. Voilà, pleure, il est dans son lit. Mais bon, là, il est du tout calme, il a les yeux ouverts. Il est sage, il vient d'avoir son bib. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que vous l'entendiez. Plus que ça. Alors, voilà. Moi, les ouvertures faciles, de toute manière, on n'est jamais très amis. Elle me nique toujours la gueule. C'est toujours elle qui gagne. Encore une fois. Voilà, j'ai réussi. Donc, c'est une teinte mauve top. Vous allez voir, voilà, la qualité de la luminosité est pas terrible, mais bon, voilà, il y a une bonne pigmentation. Je vais le laisser, je vais voir comment ça sèche. De toute façon, le caramel, je dirais. Bah, il pue pas quoi. Donc après, à voir s'il sèche bien, si s'il se tient dans la journée, à voir. Bah, je vais pas vous donner de prix, mais tout sera sur Facebook. Ensuite, j'ai commandé un rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty. Donc, c'est le Bombshell. Donc, packaging très très joli. Il est un peu morflé sur le côté là. La partie en plastique, mais bon, c'est vrai que le packaging est quand même pas mal, donc à garder ça peut être sympa, mais bon, moi je pense que je vais le ranger dans mon bazar. Alors, ouais, packaging sympa quand même, plastique matifié, c'est classe. Il est relativement plus fin que le NYX Lingerie, hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà, luminosité de fifou, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Je sais pas si je peux faire mieux. Je pense pas quoi, de toute façon. Vu l'heure qu'il est. Donc celui-là, c'est un peu plus un marron.
demain. Je vais vous refaire une vidéo demain. Si, si j'ai le temps. Si il fait plutôt beau. Donc ouais, j'avais envie de changer de teinte là en ce moment. Avec l'hiver qui arrive. Je voulais changer un petit peu. Avoir des tons un peu plus mauve. Marronné. Voilà, à voir. Ensuite, je me suis commandé des fossiles. Donc, c'est fossiles de chez Huda Beauty. Les Claudia. Hop, je sais pas si. Ouais, si. Voilà. Claudia 6. Donc, à voir. Parce que j'aimerais vraiment en mettre un peu plus souvent. Parce que voilà, moi, c'est. Voilà. C'est les yeux que je préfère. Donc. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, au toucher, ils sont vraiment pas plastifiés comme ceux que j'ai pu déjà. D'ailleurs, j'en avais commandé. Et je les ai toujours pas testés. Je sais pas si je les ai mis. J'avais commandé ceux-ci. Je les ai toujours pas testés, mais voilà, rien qu'à les avoir ouverts. J'en ai perdu un d'ailleurs. C'est fait trop plastoc, quoi. Clairement, trop plastoc, trop brillant, trop pas naturel, quoi. Donc ça, j'ai même pas testé, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il va falloir que si je les teste un jour, enfin, je les coupe parce qu'ils sont vraiment trop grands. Mais ceux-ci, ils m'ont l'air plutôt pas mal. Franchement, bah forcément, il va falloir que je les coupe, hein, parce que j'ai des petits yeux. Mais ils ont l'air vraiment pas mal. Et si ça pouvait voilà, faire la courbure, ça serait bien. Parce que moi, c'est mon seul problème. Hein, c'est le fait qu'ils ne se courbent pas. Donc non, les packagings sont vraiment très jolis. C'est bien travaillé. C'est bien fait. Hop. Donc après, à tester. Il faudra peut-être que j'essaye de les inclure dans un tuto make-up. Mais bon. Ça va peut-être pour maintenant, je pense, parce que bon, entre les bibes, les couches, voilà. Et le plus gros de ma commande, donc vous devez vous douter de ce que c'est, ou pas. J'espère qu'elle est entière. C'est bien emballé, c'est cool. Ça va, elle n'est pas abîmée du tout. Enfin, l'extérieur, du moins. Donc, c'est la palette Huda Beauty. Texture. Shadow Palette Rose Gold Edition. Hop. C'est un petit... Il y a quelques fards qui ont un petit peu basé, je dirais. Je sais pas si vous allez voir. Avec mon super éclairage, ouais, vous voyez mon PC là. Hop. Donc ouais, il faut vraiment que je vous fasse une donc palette aimantée. Voilà. Et un fard est tombé. Ça va, il n'y a rien. Donc un point de colle. Ah oui, c'est collé par. C'est un peu spécial leur point de colle. Là, j'ai fringué un autre fard, magnifique. Donc ouais, ça c'était pas cool. Ça c'était pas cool. Donc il y a la protection plastique. Là. Mais ouais, donc j'ai le fard rose gold qui ne tient pas. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des fards qui sont vraiment très similaires les uns aux autres. A voir. J'essaierai de me faire un make-up avec demain. Si j'ai le temps de me maquiller. Quoique non, ça devrait le faire. Mais ouais, joli. Enfin, moi, c'est surtout pour les fards pailletés irisés. Hein. Moi, je suis pas très mat. Hein. Un peu plus qu'avant quand même, mais enfin, à voir. Mais non, elle m'a l'air d'être pas trop mal. Je sais pas si j'ai besoin de swatcher.
Ah, forcément, on voit plus rien sur ci, mais on a un passage. C'est pas dégueulasse. On va essayer un mat. Un passage aussi. Hein. C'est moins. Forcément, c'est du matin. Hein. Hop, celui-là, là, le Dubaï. Un passage. À voir. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo swatch quand même. Ne serait-ce déjà rien pour les encres à lèvres, mais voilà, une vidéo spéciale. Enfin, peut-être pas Huda Beauty, parce que du coup, il y aura le mix lingerie en plus. Mais, voilà, je vais vous faire une vidéo swatch. Ah, Bibou, qui commence à pleurer. Donc voilà pour les mats, comment ils ont séché. Ouais, c'est bien sec. Ça bouge pas. Ouais. Non, ils m'ont l'air vraiment pas mal. Les rouges à lèvres. Donc, à voir après si vraiment quand on boit un petit peu ou quoi, ça. Bah, je pense hein, que le midi, vous mangez, ça part. Hein, franchement. Mais voilà. Ça me permet de changer un peu. Donc voilà pour la vidéo unboxing de ma petite commande de produits Huda Beauty et Anix Lingerie. Donc j'essaye de vous mettre peut-être à la suite ce que je filmerai demain. Si c'est pas trop long, mais je pense que ça va être trop long. Je ferai une autre vidéo parce que là, je suis déjà à 13 minutes. Donc ouais, je vais essayer de vous faire ça demain si. Si la météo veut bien. Et si Liam veut bien aussi. Donc, mais moi, je suis vraiment. Celui-là, il est vraiment très très beau. Rien que pour ce phare-là. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Désolée pour la coupure, hein, forcément. Mais n'étant pas chez moi et n'ayant pas. Prévoir à l'avance, étant donné que ça a été la surprise pour moi, enfin, voilà, on m'a déclenché, donc voilà, je savais pas, ça a été la surprise, donc j'ai pas pu prévoir avant pour le trou de vidéo. Et pour le concours, faut que je m'y mette, faut que je fasse le tirage au sort, tout ça, je vais prévenir la gagnante et je lui enverrai son lot d'ici le mois de décembre, dès que mon petit souci avec la CPAM sera rétabli, car j'ai toujours pas eu de versement d'indemnité depuis mois de septembre. Donc, je vous laisse un petit peu comprendre la situation actuelle. Donc, voilà, m'en voulez pas, le tirage au sort sera fait. Par contre, pour le concours l'eau shampoing, je crois que j'ai eu aucune participation, j'ai tellement pourri le produit, je crois. bon, voilà, je vais pas mentir sur mon avis. Hein. Mon avis, il est honnête, voilà, j'aime pas le produit. Hein. Clairement, je vais pas dire, ouais, c'est super, c'est trop bien comme shampoing. Non, c'est pas le cas, donc je vais pas lui détruire une super note alors que c'est pas le cas. Il en vaut pas la peine. Moi, clairement, je le finis et je rachète pas, hein, clairement. Et je vais avoir du mal à le finir déjà. Vu que là, durant mon séjour à la maternité, je suis repassée à ma routine nature et moi. Il n'y a rien à voir, quoi, franchement. C'est le jour et la nuit, donc voilà. Donc, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Looking down from the heights that we have